missionnaires du Congo, faites trop de bruit pour l'accueillir. Les missionnaires du Congo, l'un des six. Il est là, le candidat dans le Congo. L'homme qui connaît bien le Congo, l'homme qui méprise bien le Congo, faites des bruits pour l'accueillir, le candidat numéro 4. À l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, il est là. Merci. Toute question, que ce soit en français, en lingala ou en toute langue nationale, seront les bienvenues. Merci. À vous, Excellence. Voilà, avant que les candidats numéro 24 ne prennent la parole, nous allons devoir inviter les directeurs de campagne. Blanchard Mobou, nous allons inviter, j'ai dit avant que les candidats numéro 24 à l'élection présidentielle ne prennent la parole, nous invitons son directeur de campagne, le secrétaire général de Nouvelle Ela, sous vos applaudissements, Blanchard Mobomba, pour faire la brève présentation du candidat numéro 24, qui est Adolphe Moussito, et Blanchard Mobomba répond. Adolphe Moussito. Adolphe Moussito a une grande expérience dans la gestion de la chose publique. Et ici, nous allons vous présenter une brève expérience, une brève présentation de son parcours. En 1985, Adolphe Moussito fut chef de service RENAPI. En 1987, Adolphe Moussito devient inspecteur des finances. En 1993 ou 1993 pour le même, Adolphe Moussito, coordonnateur à la cellule de conseiller fiscal à l'hôtel de ville de Kinshasa.
En 1998, Adolphe Mouzito devient conseiller au ministère des Finances. En 2003, Adolphe Mouzito devient député national pendant la transition. De 2007 à 2008, Adolphe Mouzito devient ministre du budget de la République démocratique du Congo. De 2008 à 2012, Adolphe Mouzito devient premier ministre de la République démocratique du Congo. Et pendant son règne comme premier ministre, il a marqué son passage à la primature avec plusieurs réalisations. Mais ici, je veux citer quelques-unes, notamment l'annulation de la dette extérieure publique à près de 90%, l'augmentation des salaires des agents et fonctionnaires de l'État, je cite principalement les magistrats, médecins et professeurs d'université. Adolphe Mouzito revoit à la hausse les budgets de la République démocratique du Congo et le produit intérieur brut de notre pays. Et ici, il faut signaler que un budget qu'il a trouvé à 800 millions de dollars, il le quadruple, soit de 8 millions à 3 milliards 500 millions. Chose qui n'a jamais été réalisée par un autre avant lui. Et pour finir ce stade de réalisation, Adolphe Mouzito stabilise le cadre macroéconomique avec un taux d'échange stable. De 2012 à 2017, il sera élu député national dans la circonscription électorale de Kikwit. Et de 2018 à ce jour, il sera réélu une fois de plus dans la même circonscription électorale de Kikwit, député national. Adolphe Mouzito compte dans son actif plus de 30 tribunes dans lesquelles il publie ses idées, ses réflexions pour le redressement, je dirais mieux, pour la libération de la République démocratique du Congo. Il a également publié un ouvrage sur l'installation des nouvelles provinces, défis et contraintes. Voilà de manière brève, chers camarades, le parcours ou l'expérience de celui que nous portons aujourd'hui à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo. Adolphe Mouzito. Mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs de la presse, bonjour. Ma camarade, Bassina Nibale, Bana Nouvelle Elan, Bana Mouda, Mbote Nabino. Je vais demander à la presse. D'accepter que je puisse m'exprimer et en français et en lingala. Parce que ici, je m'adresse en fait à la population. Et vous n'êtes qu'un relais, vous, de la presse. Et je parlerai en français et en lingala aussi. Ceux qui ne comprennent pas lingala pourront se faire traduire certains extraits pour compléter leurs éléments d'information. Bana Congo Bote.
politique du nouvel élan Imbunda, notre coalition, mais aussi l'offre politique du candidat président de la République. Cette offre comprend trois volets. Il y a le volet du président de la République, chef de l'État, qui est candidat. En ce qui concerne ses prérogatives de chef de l'État et de président de la République, nous allons expliquer la différence entre président de la République et chef de l'État. Parce que Mutombo Mbappé Sagaye Komo Mibale, président de la République, chef de l'État. Quelle est la différence entre les deux et pourquoi les deux? Et Teniami Balé a programme la Bisso et Mozala pour concerner compétences, il y a gouvernement. Il y a Missa pour compétences, il y a province. Mingi Bata Koye Bate. Et mon cannabis, le pouvoir de l'Ayango et Kabouami, Biteli Misato. Président a dit la compétence. Il y a pour ça la Bitumba. Kobundisa, ou Babini combat compétence. Il y a défense dans la sécurité. Il y a des affaires. Ou Talamboka, par rapport à notre pays, Moussous. L'État, donc, le chef de l'État a des compétences où il est vis-à-vis à un pays où il peut jouer diplomatie, il peut jouer diplomatie, il peut jouer la diplomatie, le chef de l'État va jouer la diplomatie, il peut diplomatie. Troisième compétence, c'est-à-dire qu'il faut saler la console, il faut frapper mon nez. Vous avez ma compétence dans l'île. Boni boni na biteli ya bokonzi wana. Et ça vous sale. Gouvernement a zalipé la compétence dans l'île. Dans ma domaine dans l'île ya compétence. Oyo ba kambia mon premier ministre. Donc vous étudiez ya bo. Ni kakatano ni ne zalipé na. Ensuite. Donc vous étudiez pe ni kakatano. Il est allé pouvoir provincial. Il y a un peu de temps à l'école. Pourquoi vous avez dit domaine enseignement, primaire et secondaire. Il y a des compétences exclusives. Il y a province, santé, agriculture, pouvoir coutumier, route de dessert agricole. Il y a des compétences dans l'école. Baninga Moussou Badia ou Akbana et Nouvel Elan, Nabana Mbouda. Oui, Bati, l'élection où nous avons Kende, Bana ou Bali Bali, ma candidat député provincial, oui, ma matière répondit, beaucoup comme ça de la Nayao campagne. Et pas le peuple à la Moussé la Lune. Oui, Bali, domaine enseignement primaire et secondaire, domaine agriculture, domaine de santé. Domaine de la route de l'essai agricole, dans le domaine d'État, il pouvoir coutumier les dans le baraco titrisé, mandélé, et à lire responsabilité d'Abino. Bien sûr que dans le domaine de Mandélé, il faut collaboration ou concurrentiellement pour travailler avec le gouvernement central. Parce que il est allé dans le président des 4 des 6 mois. Alors, dans trois domaines, il y a échelon de pouvoir. Donc, ça, là, dans le programme, on a dit sur le Bibou. Qu'est-ce que nous faisons de ces trois domaines de pouvoir, chef de l'État et président de la République pour les compétences qui sont les siennes? Le gouvernement piloté par le Premier ministre pour les compétences qui sont les siennes, mais aussi la province pour les compétences qui sont les siennes. Quels sont les problèmes que nous, Nouvel Élan, que nous voulons résoudre en venant demander au peuple son mandat? Mais pour dire au peuple ce que nous voulons faire, il faut qu'on étudie ces trois domaines des compétences. Toyeba, mandat des alités. Parce que quand tu
tu vas voir le médecin pour qu'il puisse diagnostiquer ton corps, il est possible qu'il constate qu'il n'y a pas de maladie. Et il va te demander de rentrer. Ce que nous constatons avec nos politiciens du Congo, nos adversaires, c'est qu'ils commencent à prescrire des médicaments, à proposer des réformes, encore que des vraies réformes. Je n'ai pas encore entendu parler de la part des candidats qui ont pris le devant. Ils proposent des réformes pour peu qu'il y ait une réforme, sans dire des réformes pour résoudre quel problème. Ils ne disent pas. Ils ne disent pas de quoi souffre le pays, de quoi souffrent les fonctions du président de la République, c'est-à-dire les domaines régaliens. Quels sont les problèmes en ce qui concerne les compétences du gouvernement? Quels sont les problèmes en ce qui concerne les compétences des provinces? Il y a de vrais problèmes. Mais a priori, pour prescrire des médicaments en termes de réformes, il faut dire ces réformes se rapportent à quel type de problème. C'est ainsi que nous, Nouvel Élan, comme parti, Mbonda, ainsi que moi-même, en tant que candidat à une institution, l'institution suprême, nous avons choisi premièrement de faire le diagnostic. La première partie de notre programme, à travers les différents domaines de compétences que je venais de décrire, consiste à faire une évaluation, un audit, un diagnostic de la situation. Quels sont les problèmes qui se posent au niveau des compétences de l'État, c'est-à-dire au niveau de la présidente de la République, en ce qui concerne la sécurité, la défense, en ce qui concerne la diplomatie? Sommes-nous capables de défendre notre pays à travers les différentes sous-régions pour les problèmes qui sont les nôtres? Est-ce que nous pesons? Sinon, nous recourons à la tutelle de quelle région, de quel président de la République, ce qui aliène notre souveraineté? Est-ce qu'on a une monnaie convertible qui nous permet de faire les transactions et de payer en notre monnaie, souveraineté sur le plan monétaire? Ça, c'est en ce qui concerne l'institution de la République au niveau gouvernemental. Quels sont les problèmes? On diagnostique aussi les problèmes en ce qui concerne l'institution gouvernement. On fait le diagnostic aussi en ce qui concerne les provinces. Est-ce que les provinces, elles existent ou c'est des simples administrations qui ne reçoivent pas du gouvernement les moyens nécessaires pour assumer leurs prérogatives constitutionnelles dont je viens de parler, à savoir la santé, l'agriculture, l'enseignement primaire et secondaire, les routes et les sites agricoles et le pouvoir traditionnel? Et comment, si nous établissons qu'il y a des problèmes, quelles sont les réformes, comme, si vous voulez, après ces diagnostics, quelles sont les thérapeutiques? Les thérapeutiques renvoient aux réformes qu'il faut engager pour résoudre ces problèmes. Troisièmement, toujours dans le cadre de la solution, quelle est l'écoute? Parce que si vous dites des réformes, il faut dire elles coûtent combien pour les appliquer. Je donne un exemple. Je donne un exemple pour montrer l'intérêt qu'il y a, non seulement à diagnostiquer, mais à, si vous voulez, à donner la thérapeutique. Thérapeutique, quand un médecin, quand vous allez voir le médecin, il fait le diagnostic, il constate que vous êtes malade, il propose les médicaments que vous devez ou les examens que vous devez faire, il va vous prescrire et les examens et le médicament à prendre. Il faut un fil, il faut des ressources. Quel est le coût de cette réforme ou de cette thérapeutique qu'il vous propose? C'est ainsi que nous avons, nous, évalué et chiffré les coûts des réformes que nous voulons engager. Et là où il ne s'agit pas que des réformes, les coûts des investissements qu'il faut réaliser.
Je voudrais insister sur la notion des réformes. Je donne un exemple. Vous constatez dans le diagnostic que l'enseignement primaire et secondaire, ça ne va pas. Vous n'avez, et c'est le cas à ce jour, vous n'avez que plus ou moins 800 000 enseignants que vous payez au lieu de payer 1 million d'enseignants. Et que le 1 million d'enseignants, dont 200 000 ne sont pas payés, pour lesquels il faut chercher l'argent, il y a un deuxième problème, c'est que même ces chiffres-là ne correspondent pas aux besoins. Non seulement il faut chercher l'argent, tous les coûts de cette réforme, pour payer les enseignants qui ne sont pas bien diagnostiqués, et c'est le cas en ce qui nous concerne. Ici, je dis que la démarche, c'est de constater, nous constatons, quand on fait le diagnostic, que, un, on a 1 million d'enseignants, alors qu'on devait en avoir un peu plus. Et que les 1 million d'enseignants ne sont pas bien payés. On leur paye, pour ceux de Kinshasa, 200 dollars. Pour ceux de chef-lieu des provinces, 150 dollars. Et pour ceux de l'intérieur, c'est-à-dire des territoires et autres villes, en dehors des villes où sont les chef-lieu des provinces, on leur paye 100 dollars. Vous dites, je dois niveler pour que tous les enseignants aient le même salaire, au même grade. Il y a deux hypothèses. Soit que vous réduisez et ramenez tout le monde à 100 dollars pour éviter les justiciers, nivellement vers le bas. Soit que vous dites que vous augmentez tout le monde à 200 dollars pour rééquilibrer ce que d'ailleurs j'ai fait en mon temps, de manière à ce que les enseignants aient même le même salaire. Ça, c'est un premier effort. Un deuxième effort qui consiste à dire nous augmentons pour tout le monde. On passe de 200 dollars pour tout le monde à 300 dollars. Ce que je compte faire, nous allons le démontrer ici avec des chiffres. Voilà en quoi les réformes impliquent un coût. Réforme d'amélioration des conditions sociales des enseignants, réforme d'uniformisation du salaire et réforme pour payer ceux qui ne sont pas payés. J'ai parlé de 200 000 qui ne sont pas payés sur un total de 1 million. Voilà une des réformes et comment elle se chiffre en termes d'augmentation. Nous pouvons aussi le faire pour ce qui est des magistrats. Les magistrats aujourd'hui, ils sont plus ou moins 8500 magistrats, dont 500, plutôt, dont 5000 ou 5500 sont déjà nommés et travaillent. Il y a 2500 qui, sur les 5000 qui s'ajoutent, 2500 qui vont bientôt être payés et entrer en fonction. La question est de savoir est-ce que 8500 magistrats, c'est le nombre qu'il faut pour être dans le ratio international. Nos réformes montrent, notre évaluation ensuite, les réformes que nous proposons montrent que nous avons 8500 magistrats en perspective, dont 5000. 500 sont déjà en place et qu'il faut améliorer, augmenter les salaires pour les deux premiers, les 2500 autres, mais surtout en perspective, augmenter le budget 2024 de plus ou moins l'équivalent correspondant, si vous voulez, non seulement payer les 2500 magistrats qui vont entrer en fonction en 2024, mais aussi augmenter les salaires de magistrats qui, aujourd'hui, pour ceux d'en bas, touchent 1000 ou 1500 dollars, plutôt 1200 dollars, pour qu'ils atteignent 2000 et 3000. Ça fait partie de notre programme. Et nous allons les voir à la hausse et les rémunérations des magistrats à tous les niveaux, mais aussi et l'augmentation pour atteindre les ratios et passer des 8500 qui sont déjà inscrits et dont 5000 sont déjà en train d'être payés, ils sont légalisés, et passer à 15000 magistrats pour que les ratios qui doivent être 5000 magistrats pour 5000 magistrats pour, non plutôt un magistrat pour 5000 Congolais. À ce jour, nous avons un magistrat pour 15000 Congolais. Voilà les réformes qui nécessitent un financement et pour lesquelles, en partant du budget d'aujourd'hui qui est de 10 milliards en ressources propres, en partant d'un budget
déficit aujourd'hui qui est de 10 milliards de dollars aussi. Quelles sont les augmentations que nous devons faire et que nous avons faites dans nos prévisions? Parce que je voudrais indiquer en passant qu'aujourd'hui nous parlerons uniquement du financement, du coût de notre projet politique, du financement, du mode de financement de ces coûts pour les 10 prochaines années. Tout ce qui est réforme, et avant les réformes, tout ce qui est diagnostic, ça se trouve dans notre document, nous allons l'exposer au fur et à mesure que nous battrons campagne pour dire à chaque fois quel est notre diagnostic, quelles sont les réformes que cela implique, quel est le coût financier pour couvrir ces réformes. Alors, s'agissant du coût financier de notre programme ou de notre offre politique, je voudrais attirer votre attention sur la nécessité, parce que vous risquez d'être pollué par les autres candidats et même leur parti politique. En parenthèse, hein, retenez, chers compatriotes, militants de Nouvel Élan et Mbonda, qu'il y a une confusion dans la tête de nos candidats, plutôt de nos adversaires. Nous allons en parler. Retenez tout simplement que les budgets doivent suivre le temps nécessaire pour mettre en maturation les réformes. Vous ne pouvez pas, et si je dis cela avec insistance, vous ne pouvez pas faire un budget de 5 ans, comme c'est le cas avec les candidats députés, le candidat président de la République que j'ai suivi. Faire un budget de 5 ans pour un pays comme le nôtre, même le pays déjà développé, la France, les États-Unis, les candidats viennent avec des budgets de 10 ans. C'est très important. Et notre programme, son coût financier s'étale sur 10 ans. Faites la différence dans les domaines, je vais donner un exemple dans les domaines agricoles. Suivant que vous êtes jardinier, vous faites jardin potager, ou vous êtes agriculteur, vous faites les maniocs, ou vous avez une plantation, vous faites l'huile de palme, et que vous devez financer ces projets avec vos sous propres et avec un emprunt. Vous ne pouvez pas demander un crédit de 2 ans ou 10 années pour financer la plantation d'EVA, de palmiers, ainsi de suite. Vous ne pouvez pas emprunter de l'argent à rembourser en 5 ans pour faire le jardin potager. Parce que les jardins, si vous faites vous plantez les légumes, si vous plantez au bout de 2 mois, 3 mois, vous avez déjà les résultats. Vous n'avez pas besoin de vous endetter pour un an. D'ailleurs, personne, aucun banquier ne vous prêtera de l'argent long terme, entre guillemets. Il va vous dire, je vous donne l'argent à rembourser dans 2 mois. Le temps pour vous de défricher le sol, etc., de commencer à planter. Au bout de 3 mois, 4 mois, vous aurez déjà la récolte et donc vous pouvez vendre, récolter et les rembourser. Donc vous aurez un crédit très très court terme. Mais si vous faites une activité qui vous prend 2-3 ans avant d'atteindre la maturation et vous commencez à récolter et d'avoir un cash flow, on va vous donner de l'argent, les banquiers vont dire, je vous donne un crédit moyen terme sur 2 ou 3 ans. Parce qu'au bout de 2-3 ans, vous serez en mesure de planter, de voir votre champ de manioc, donner les résultats, vous pouvez récolter et être en mesure de rembourser au bout d'un an, 2 mois, chaque année d'ailleurs, après une période d'investissement pour laquelle vous allez demander les financements. Même chose pour ce qui concerne celui qui fait, qui plante les VA ou les palmiers. Lui, on doit plutôt lui prêter de l'argent pour 5 ans, 6 ans. Parce que le temps d'élaborer, le temps de planter, le temps d'avoir des résultats pour commencer à rembourser en réalisant un cash flow sur lequel il va payer, prélever, devoir rembourser, il
pour un minimum de 5 ans. S'il en prend pour 2 ans, au bout de 2 ans, avant même que les plantes n'aient donné, sera déjà rédévable. On va commencer à lui demander de rembourser l'argent et risque de s'endetter encore pour rembourser parce qu'il a eu l'argent pour terre là où les délais d'activité, les délais d'amortissement est beaucoup plus long. Disons les premières années de remboursement et du principal et des intérêts. C'est ça pour notre pays. Je ne vois pas quelles décisions sérieuses pour des investissements long terme pourraient accepter et nous prendre au sérieux si nous demandons de l'argent pour 6, 7 ans et engager l'avenir du Congo qui a encore un déficit de routes, des ponts, d'investissement pour l'hydroélectricité, c'est-à-dire par exemple le INGA. Personne ne peut nous prendre au sérieux si nous présentons à la fin du monde des programmes de 5 ans. Alors que nous avons tout à faire dans le domaine des infrastructures. Je ne sais pas si... vous allez lire le document, je peux l'exposer comme ça. S'agissant de notre budget, ou si vous voulez, de notre plan de financement. D'abord, il est de 5 ans, plutôt 10 ans. Avec 2, 5 ans, 5 ans, 5 ans. Ça correspond à 2 mandats. Vous allez me poser la question, mais comment vous préconisez un plan, un programme de 10 ans, alors que vous demandez le mandat de 5 ans? Ça, je l'ai dit à nos camarades militants et autres compatriotes qui me suivent. Vous allez même dans le pays développé, où ils n'ont plus d'infrastructure à financer. Généralement, les projets sont à très long terme, 10 ans. Vous allez suivre les différents candidats en France parce que c'est le pays avec lequel nous parlons la même langue. C'est toujours des programmes, des plans de 10 ans, alors qu'ils n'ont plus grand-chose à financer comme infrastructure. Parce que la mise en œuvre d'un programme exige une certaine continuité et tout en ayant un mandat de 5 ans, il peut engager la République du fait de ce mandat sur le long terme et des projets que les autres présidents qui vont gagner après lui, même s'ils sont de l'opposition, ils devront respecter ça. Parce que c'est des projets engagés par une autorité qui avait la légitimité et qui avait des compétences pour engager la République. Ici, nous parlons de la République française. Donc, notre programme, il s'échiffre pour les 10 années à venir à 300 milliards de dollars. Est-ce que tu es au Kani? 300 milliards de dollars. À quoi sont destinés ces 300 milliards de dollars et comment les mobiliser? Alors donc, je résume en disant, notre programme, nous voulons les financer avec 300 milliards de dollars. Donc 100 milliards existent déjà sur 10 ans, 10 milliards chaque année, et les 200 milliards viendront d'une part de l'augmentation de l'assiette fiscale consécutive à la croissance que nous allons réaliser, et les 140 milliards et plus de 60 milliards sera l'objet d'un emprunt. Je le dis qu'en passant, c'est un emprunt concessionnel autour de 8%, 7%. Mais qui est à notre portée et en termes de du volume de la dette comparé au PIB, parce que le PIB lui-même va augmenter. Nous avons un PIB aujourd'hui qui est autour des 70 milliards. L'année prochaine, il peut arriver à 80 milliards, c'est selon nos calculs. Si c'est déjà aussi les calculs du FMI, si notre taux de croissance est maintenu, et à l'horizon 2033, c'est 10 ans après, nous aurons un PIB de 200 milliards de dollars. Et par rapport à ce PIB de 200 milliards, si nous avons une dette de 60 milliards, ça ne représentera que 30% de notre PIB, auquel cas nous serons toujours au bas de l'étage des pays endettés en Afrique et dans le monde de manière générale. Voilà, comme je vous ai dit, j'avais mes limites à présenter les coûts financiers de notre programme, l'horizon
de ces plans que je voudrais dessiner pour donner des perspectives d'avenir pour le pays, parce qu'on ne peut pas raisonner pour un pays qui a un retard de plusieurs décennies, qui n'a jamais, presque jamais, depuis l'indépendance et même avant l'indépendance, pu construire ces 55 000 km de route, qui a un déficit énergétique qui implique qu'on doit financer les infrastructures en ce qui concerne l'électricité, l'hydroélectricité avec l'Inga, qui a des retards en termes de nombre de ponts, de nombre d'aéroports, un déficit sur le plan de l'eau potable. Tous ces déficits nécessitent 100 milliards, dont 60 milliards de faire obtenir un emprunt, emprunt que nous pouvons facilement mobiliser compte tenu des ratios auxquels je viens de faire allusion. Et les 40 milliards autres qui peuvent venir de notre financement interne, donc ce qui fait 100 milliards pour financer la construction du Congo. Mais je voudrais indiquer en passant la question de savoir est-ce que nous sommes en vue de marcher, de digérer 100 milliards de dollars en 10 ans. Parce que, excusez-moi, ce qui nous doit lier à la piété, pour aller à la piété, est-ce que en Congo-Golia, non, si tu dis que les Congolais doivent manger trois fois par jour avec un souper, non, avec un goûter, est-ce qu'il va remplir ces programmes-là? À Golia, pas la bonté, puisque dans la traité, il n'y a pas la bonté. Parce qu'au pays, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas la bonté. Pourquoi je dis cela? L'État congolais est très faible en termes d'administration. L'État congolais est faible en termes de division du travail. Division qui veut que certaines routes soient faites par les provinces. Parce qu'il y a des routes dans les 55 000 km, dont 3 000 seulement sont faites. Sur les 52 qui restent, il y a des routes nationales, c'est 20 000. Des routes provinciales prioritaires, 20 000. La différence, c'est des routes provinciales secondaires. Si nous disons que l'État congolais doit faire toutes ces routes pendant 10 ans avec 100 milliards de dollars, il n'y a pas que des routes, hein, il y a d'autres infrastructures dont je parlais. Est-ce que administrativement parlant, politiquement parlant, nous sommes capables d'utiliser cet argent et de faire ce travail? Non ou oui? Parce que nous, on nous a dit, je ne sais pas, moi j'étais déjà parti. Nous avons eu 3 milliards et demi, 3 milliards de Chinois, on était incapables de consommer ça. Le fils que de présenter des études, c'est ce qui est dit par ceux qui sont restés. C'est l'accusation du gouvernement chinois. Parce que je dis qu'en passant, le gouvernement chinois, non seulement, plutôt que le gouvernement chinois nous doit, étant donné que le contrat qu'on a signé avec les entreprises chinoises, nous l'avons signé avec la caution du gouvernement chinois. Et sauf que les dysfonctionnements, et sauf que les non-décaissements de l'argent des Chinois, et le manque à gagner ou le coût d'opportunité, si nous devons le facturer, c'est à charge de celui qui a été la caution et qui se trouve être le gouvernement chinois. C'est pourquoi souvent je suis en colère avec ces pouvoirs-là, enfin, les Chinois. Donc la question qui se pose, au-delà des chiffres que j'ai dites, en ce que les 60 milliards sont à notre portée par rapport à notre capacité de remboursement, il se posera un problème de capacité d'utilisation ou de consommation. Parce que tu ne sais pas t'organiser pour utiliser cet argent. Cette question, nous, on a une vision. Parce qu'ici, nous présentons l'état des lieux, nous avons une approche que nous allons proposer des moments venus, puisque nous avons, je promets, d'articuler notre programme au fur et à mesure. On vous a parlé du chiffrage, du coût de notre programme. On reviendra sur, on a inversé la démarche volontairement. Nous viendrons pour maintenant indiquer les diagnostics qui a justifié les choix des réformes, qui sont aujourd'hui à 60 réformes, dont 10 pour le président de la République, chef de l'État, 10 pour les provinces et 40 pour le gouvernement.
reviendrons pour donner les différentes parties de participation, y compris en ce qui concerne la manière d'utiliser les 60 milliards. Parce que, alors que nous sommes en train de mobiliser cet argent, parce que nous remplissons tous les critères macroéconomiques, nous risquons de ne pas être en mesure d'utiliser cet argent à cause de la déficience de nos administrations et de notre pouvoir politique. Je vais m'arrêter ici pour vous donner l'occasion de poser une question. Je vous remercie. Merci beaucoup les candidats numéro 24. Sous vos applaudissements, nous vous en attendant que nous ne passions au jeu des questions-réponses, est-ce qu'on peut encore applaudir? Vous êtes capable de faire la vie de 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 la
vous êtes capable de regarder la bâche charpentier. Vous voyez que vous avez la décennie pour moi, maillé de l'île. Et puis, la décennie de vous, vous êtes capable de passer à la ville de la même il y a 5 000, 10 000, vous êtes 4 à la ville. Au bout de 2 ans, nous avons déjà la bâche charpentier. Et ça, bon côté. Parce que pour le programme de la mission, pour le plan, on fait la mission. On a eu dit qu'on s'est plein dans le temps qu'il va chômer. Il y a un abat qui est, il n'y a pas la richesse à vous, il va chômer. Ce qui est le bidon développé côté à Malikouna, pour le bateau, tout dit qu'il n'y a pas de moyen. Il y a 22 communes, il y a un comité, il y a une icône, il y a un passé, il n'y a pas besoin de ça. Il y a un dégât qui va compter à la cité, il y a une construction. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On a travaillé dans l'institution de Bretton Woods, FMI Banque mondiale. La salle de conclusion, il y a pas revu, pour permettre que parle les têtes. Oui, et permettre que FMI et Banque mondiale bandi maketo koka koko tanyo. Et ça bon côté, hein? Alors, je suis un modèle de ce point de vue-là. Donc, transparence, rigueur, évaluation. Parce que dans le rapport, toko tanyo a carré à 60 milliards. Il faut que les babayers de fonds babos à la multilatéraux ou bilatéraux. Multilatéraux, ils vont prêter l'argent sur le marché financier international. Mais les FMI et la Banque mondiale, qui sont les gendarmes, qui sont la caution pour un endettement et qui en assurent la suite de gestion, devra être là pour certifier nos comptes, pour s'assurer que la gouvernance est transparente, pour s'assurer que nous sommes capables d'utiliser ces emprunts, mais aussi de rembourser. Sans entrer en faillite. Donc, nous formerons le gouvernement. D'abord, je vous dis en passant, il est difficile au niveau gouvernemental de réaliser la majorité parlementaire nécessaire. Je présume, hein, si vous lisez, je crois, la 8e tribune, vous allez voir qu'en termes d'ajourité présidentielle, la majorité parlementaire, aucun parti n'atteint 20%, et c'est là depuis que nous avons repris à l'avenir la démocratisation. Les partis sont trop faibles et il est possible qu'on en soit à l'organisation d'une coalition qui sera difficilement mise en place et qui va dépasser le seul cadre de l'Union sacrée. Donc nous, si nous avons la majorité présidentielle, nous serons obligés de nous ouvrir à l'Union sacrée pour former la majorité parlementaire. Et c'est cette majorité parlementaire qui devra faire le travail et avec un premier ministre et des différents ministres. Nous voulons faire fonctionner l'institution judiciaire comme on aura et aussi faire que le Parlement soit à la hauteur pour sanctionner, soit judiciairement pour ce qui est du pouvoir judiciaire, soit politiquement pour ce qui est de la majorité parlementaire, le gouvernement qui ne va pas bien gérer les choses. Merci. Oui, merci pour la parole. Moi, c'est le journaliste Emmanuel Lufia de l'agence congolaise de presse ACP. Alors, monsieur Zitou, vous avez dénoncé les contrats sino-congolais, un contrat qui n'a pas profité aux Congolais. Aujourd'hui, la Chine est l'un des pays florissants en matière financière et économique dans le monde. Pensez-vous qu'il ne serait pas un partenaire fiable en cas de votre accession à la magistrature suprême? Alors, la deuxième question. Le régime actuel, le régime de M. Tshisekedi, est en train de mener des discussions jusqu'à avec la partie chinoise pour pouvoir rééquilibrer ses contrats sino-congolais. Si c'était vous à la manette, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous annulé systématiquement les contrats ou penseriez-vous à pouvoir l'améliorer? Merci. S'il vous plaît, on attend encore là. Oui, elle est faible, mais elle n'est pas la cause de sa propre faiblesse. C'est le pouvoir politique qui est faible. C'est le pouvoir politique qui crée l'administration, qui a le pouvoir de nommer jusqu'à un certain échelon. Mais ceux qui détiennent ce pouvoir, nous autres, nous n'avons pas mis en place une bonne administration. Nous n'avons pas, vous avez parlé du caractère vieillissant de cette administration, nous n'avons pas mis à la retraite à temps des gens qui déjà, à ce jour, ont 80 ans.
êtes sorti, pas des pensions de retraite, et ces vieillissants, alors qu'ils devaient sortir au fur et à mesure avec les indemnités qui sortaient avec les pensions de retraite, après avoir été bien payés, vous vous rendez compte que moi j'ai augmenté le salaire, mais ce salaire a baissé en pouvoir d'achat. Celui qui avait 2000 comme professeur de l'université, aujourd'hui il a 1300. Même si le montant a augmenté en nominal, c'est-à-dire en francs, mais en réel et en monnaie nationale, en termes de pouvoir d'achat par rapport à la dérivée de référence qui est le dollar, ça baisse. Donc le problème, il est politique, mais vous le ressentez par ses effets au niveau de l'administration. Ce qu'il faut faire, c'est commencer à dégager en augmentant le budget de la retraite et aussi de la pension de retraite. Et commencer à recruter des jeunes, non seulement parce qu'ils seront formés, ils doivent être formés, mais aussi ils seront suffisamment jeunes pour travailler pour la République, tout en augmentant l'amélioration. Donc l'administration est aussi faible parce que les gens sont mal payés. Donc il faut renouveler les personnels, il faut renforcer et il faut bien payer les fonctionnaires. C'est ça notre vision. Voilà, merci beaucoup. Bandekola Nicolo, merci. Bonsoir Diallo, Nabamituna, Nyoso, Topeti Marto Domingi, na candidat à mission numéro 24. Azali Moto Yaba Chiffre, je crois tout a été clair. Bon côté. Bon côté. Nenge Tozali Awa, Moutounia Sazo Bima, na Moutouna Yena Chiffre, Ayende de Congo, na mission démocratique. Batoazo et Baté, et Romanawa, et Rosukawa. Awa, Tosui, vraiment, Obezali, offre politique, et on t'a dit, ça dit, c'est là le la boussole. Bon côté. Nalo, les gars, ils ne peuvent pas mobiliser du solo. Pour la Kotonga Congo, moi, n'a pas qu'à notre musique, va faire si biso yankou. Atali, si biso nioso. Je crois que, Motonio, son niveau naïe, Bima Awa, ayez d'abord 300 milliards, 100 milliards, dans les 10 milliards chaque année à ressources propres, on est déjà acquis, 140 milliards, grâce à taux de croissance, mais prélèvement fiscal, et puis 60 milliards, il y a rien de bon défa, et pas y a ma paya, dans la capacité à cause de ça. Donc, comme il a souka, donc merci Maloba, et pas y a porte-parole, il y a candidat numéro 24. Pour la hymne nationale, maman Joséphine Takizala, peut-être clôturer Maya Gabi Alelo. Venez nous lever, s'il vous plaît, l'hymne national. Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Seuls sont nos fonds, votre souveraineté. Sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de l'île. Que nous le gants, pour tout. Merci. Tosela, mon candidat Bima. Toti que si candela. Et pas eux, la porte de petit candela pour la proposition d'abord du mélange. Protocole. S'il vous plaît, protocole, petit candela sur le monde. Petit candela, voilà, petit candela. Voilà, donc. Les sont officiellement notre campagne avec la présentation du programme du candidat numéro 24, Adolphe Mozito. Et je crois que le résumé de ce programme, c'est que nous nous présentons
un programme qui est échelonné à 10 ans d'exercice. Et pendant les 10 années, nous avions dit, le candidat numéro 24, Adolphe Mouzito, a dit que le Congo a besoin de 300 milliards pour son redressement, pour sa libération. Voilà pourquoi il a présenté d'abord le diagnostic pour montrer les problèmes du Congo. Et dans ces problèmes, nous avions dit qu'il faut notamment résoudre le problème de la titrisation, faire de communautés locales propriétaires terriens de manière à ce qu'ils participent dans la création de la richesse. Il a parlé de la situation sécuritaire, il a parlé même de notre administration. Toutes ces questions-là devront être réglées, mais pour résoudre ces problèmes-là par rapport à ces diagnostics, il nous faut le moyen, et le moyen, nous l'avions chiffré, c'est-à-dire le candidat numéro 24 l'a chiffré à 300 milliards de dollars. Maintenant, quitte à nous de mobiliser ces 300 milliards pour répondre justement à cette demande telle que présentée. Donc, en résumé, c'est ce que le peuple doit retenir. Contrairement à d'autres candidats, nous avions suivi de chapelet des bonnes intentions, mais ici au moins nous avions donné un chiffrage et un cadrage par rapport au timing, par rapport même au nombre d'années pour la mobilisation de ces moyens. Monsieur Blanchard, la politique ou les enjeux politiques et électoraux peuvent vous pousser par exemple à faire... Mouzito, c'est justement de poser les diagnostics tels qu'il a fait et de trouver les mécanismes pour la mobilisation de ressources de manière à répondre à ces questions. C'est ce qui est prioritaire, c'est ce qui est plus important. La question d'alliance, nous l'avions toujours connue dans notre pays depuis l'avènement de la démocratisation dans notre pays. Il y a eu des alliances et des alliances, mais malheureusement, ça n'a pas répondu ou ça n'a pas... qui a l'expérience d'Adolphe Mouzito dans la gestion de la chose publique, mais également la vision qu'il a du Congo. Je crois que vous aviez suivi la présentation ou le programme de plusieurs autres candidats. Vous allez être d'accord avec moi que ces programmes, en tout cas, n'ont rien à voir avec ce qu'Adolphe Mouzito a présenté aujourd'hui. Là, ce sont principalement nos deux chances de gagner. Et nous pensons qu'avec notre peuple, comme le Nouvel Élan et le regroupement Mbonda, nous sommes en tout cas une liste ou un parti de masse, nous allons mobiliser partout en République démocratique du Congo de manière à amener les peuples à voter pour le programme du candidat numéro 24 que Adolphe Mouzito. La prochaine étape. L'approche qui paie inhabitée, ce n'est même pas urbanisé. Et nous pensons que nous devons présenter aux Congolais la situation de la ville de Kinshasa, puisque la ville de Kinshasa est le siège des institutions. Et par après, nous allons entamer l'étape de province, puisqu'il faut noter qu'avant la présentation de ces programmes, le candidat numéro 24 a sillonné les provinces de la République démocratique du Congo et il maîtrise le problème de ces différentes provinces. Voilà pourquoi... Avant, pendant cette étape de la campagne, nous considérons qu'il faut commencer par Kinshasa avant de nous projeter dans le province. Merci. Merci. Alors, M. Tony, votre impression ou appréciation par rapport à ce programme de gouvernance de M. Adolphe Mouzito ? Merci, madame, de la parole. Moi, je dirais que mon impression, elle est positive. Positive pourquoi ? Simplement parce que nous avons assisté aujourd'hui à cette date qui restera marquée à la tête de tous les Congolais sur une présentation d'une offre politique d'un projet de gouvernance décennale du candidat numéro 24 Adolphe Mouzito qui essaye non seulement de faire un état de lieu par rapport aux problèmes qui gangrènent la République, mais également essayer de préconiser les réformes, tout en ne pas oublier le coût de ces réformes. Parce que vous avez écouté le projet de société des différents candidats. Le président de la République, bien évidemment, vous allez vous rendre compte qu'ils se sont limités seulement à pouvoir présenter l'état de lieu qui, du reste, est macabre. Et les différentes réformes sont pour autant nous dire quel est le coût que ça doit prendre pour que nous puissions avoir le redressement dans les différents secteurs de la vie nationale. M. Adolphe Mouzito a brillé par l'économie comme dans ses habitudes de pouvoir chiffrer les différentes réformes qu'il pense préconiser pour les 10 ans à venir parce qu'il pense qu'il ne peut pas préconiser un programme de 5 ans, un programme quinquennal qui du reste sera non efficace par rapport à tout ce qu'il pense pour faire pour le pays. C'est ainsi qu'il a mis pour le plan décennal un budget de 300 milliards de dollars qui du reste il a essayé de compartimenter par rapport non seulement aux acquis que nous avons bénéficié de 10 milliards du régime passé, mais également le 60 milliards qu'il pense emprunter auprès de différents bailleurs de fonds, tant régional qu'international, pour essayer de
propulser ces différentes politiques publiques, mais également, il pense, par rapport à l'orthodoxie dans la gestion de ressources financières qu'il va mettre en exergue, essayer d'emmagasiner ou bien de mobiliser plus de 100 milliards de dollars pour que nous soyons à mesure non seulement de construire les routes, de financer l'osmose avec ces derniers, pour qu'ils puissent porter bien évidemment ces désirata tout en implémentant bien évidemment son projet de société qui rencontrera les besoins de ces derniers. Moi je pense que nous sommes restés dans la logique de dire que le peuple doit être responsabilisé. Parce que nous ne sommes pas des gens qui préconisent que ces derniers puissent être... Nous ne sommes pas parmi les gens qui préconisent que ces derniers soient bien évidemment le candidat malheureux, parce que nous pensons que la meilleure façon de faire ici actuellement, c'est de pouvoir battre campagne de porte à porte. D'ailleurs, je vous responsabilise, vous aussi en tant qu'organe de presse, de pouvoir bien évidemment battre campagne pour le ticket numéro 24, parce que ces derniers, non seulement il va autonomiser la presse congolaise, il va mettre le moyen à votre rescousse, afin que nous puissions aller bien évidemment à une presse indépendante qui, par ailleurs, sera le colonne vertébrale, la colonne vertébrale, voulais-je dire, de la démocratie dans notre pays. Donc moi, je pense que nous avons 1000 chances et nous mettons les chances de notre côté par rapport, bien évidemment, aux différentes réalisations de campagne électorale que nous allons amasser un grand nombre de la population, mais également, nous allons communiquer bien avec le peuple congolais. Le peuple doit savoir qu'il ne doit pas voter pour des gens qui pensent consolider les acquis qui, eux, dans leur imaginaire, pensent que ce sont des acquis positifs. Alors que nous tous, nous connaissons combien les fonctionnaires de l'État sont payés actuellement. Nous tous, nous connaissons combien le magistrat sont payés actuellement, combien le huissier sont payés actuellement. C'est inadmissible, madame, de voir un député national qui a 21 000 dollars chaque fin du mois, alors qu'un huissier n'a pas même 100 dollars. C'est ainsi que nous pensons, il faudrait que nous puissions avoir un candidat président de la République qui pensera bien évidemment à l'égalité de traitement de tous les agents et les fonctionnaires de l'État. En fait, qu'il n'y ait pas de privilégiés étatiques, qu'il y ait tout le monde qui... Dans tous les cas, voilà, dans tous les cas, c'est le Congo. Pour ce qui concerne notre candidat, Mouzitou, numéro 24, le choix est porté sur lui parce que nous avons vu la présentation de son projet. Dans un budget ou dans un projet, on élabore toujours en termes de temps, ok, et en termes de finances. Qu'est-ce que ça coûte? Et lui nous a présenté un projet qui est limité dans le temps et dans l'espace et selon les finances. Donc ce n'est pas un rêve, c'est quelque chose qui est réalisable et je suis sûr que si nous plaçons notre confiance en lui, il va le réaliser. Alors, message de Yoko lancer la population congolaise, mieux surtout au Yobazo d'Andarona Ministre. Message de Ramoro. Tout soutenir. Tout soutenir Mouzit, candidat numéro 24. Azaba, chance en réussite. Chance Ezali. Chance Ezali. Chance Ezali. Ok, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Merci beaucoup. Nabiso Ezali Boé. Toye Kolanda, candidat président de la République, Adolphe Mouzito, numéro 24. On a offre politique et programme de gérance quand aujourd'hui Azaï lit comme un président de la République démocratique du Congo. Programme Niniye à Kosala Pona Mboka. Vraiment, Outa Congo et Banda, tous on a nos mitu yaboyete. Toti Kassambla, Tolo Balikamou na vérité. Tout mon an a nos mitu yaboyete. Et Adolphe Mouzito a monique, Batouba Salaka ba programme Yamboka sentimentalement, Basalaka étude tena koyeba, maladie Nini au Congo Azoua. Pour que l'élo soit la capacité à vous traiter. Batoubabi manga tout justement qu'on lance traitement y a Congo sans toutefois que ça la diagnostic y a koye ba ke Congo abeli maladie nini et puis et que senga ko traiter que ça la traitement nini. Congo abeli depuis 1960. En 1964 coup d'état il équipe on a maréchal Mobutu et continue la dictature. Pendant la dictature là jusqu'aujourd'hui en 2023 au Tosokende Congo et sa vie à Malamouté, Maïe Zate, vie sociale Ezate, Misala Ezate, vraiment ba chômeur, ba komi komi n'yatali kolo ya moussous. Maintenant, ba leader, ba leki, comme nous avons un régime kabiliste, Oyo et Koka qui jamais n'a résoudre ba problème ya Congo. Parce que, Azalaki tout d'abord, il fallait que ça la étude, que ça la diagnostic, ya moka, pour na koye ba Congo et Zosengani. Mais, ba sala ki diagnostic ite. Toye ko kota na gouvernement ya Mese Tshisekedi. A côté de la brutalité, sans toutefois que ça la diagnostic ya koyeba, pour gérer Congo et ce sengato ça la traitement. Alors, les lois d'Adolphe Mouzitou à l'objet,
Congo avant qu'on traite, en tout d'abord il faut diagnostic. Ngana bandi na diagnostic. Tant on a sali diagnostic ya mboka et pesinga sikoyo expression ya kolobake na tisi, na traitement, na main d'œuvre, ya ba médecin tout et osenga 300 milliards en 10 ans. 300 milliards en 10 ans pour na kosenga ke Congo et soit traitement o ya bien. C'est-à-dire mutu apesi détail, n'est-ce pas? Détail parce que il y a des candidats présidents de la République au Baleki. Balobio bakoki koloba mais ba pesi biso explication en détail te ya koyeba ke budget na yokaki l'autre il a dit il faut 20 milliards 20 milliards ayebisi biso te 20 milliards ako sala nini Congo abela kamutu abela kalibumu to abela kalikolo po écouter na 20 milliards alobika kibudi kibudi bongo n'est-ce pas alors to sa sirte lokola sali diagnostic te même si to alobi 20 milliards ezali capable était par rapport à maladie Congo abela depuis 1960 il faut 300 milliards ne ko sala en mesure n'est-ce pas ya ko traiter mboka ça dit to ko sanga courante to ko sanga maite ba chômeur ba ko salaté misala ekoleka ba tuna ebele et tout le monde ba ko se retrouver na 300 milliards pas 20 milliards pas 10 milliards pas 50 milliards non ils font dans 10 ans au dépenser 60 milliards et 300 milliards et loko wana vraiment na kanisi même bino ba journaliste botika la ko yoka yangote et puis mutu ya boye ko pesa ngo détail pièce par pièce vraiment yango de pièce bisi sem en tant que candidat nouvelle là nazala ki mayele ko pona ko tambola pembe na leader aboye puisque ko tambola na leader pe ayebi rien yo pe mwana ko yebe lo côté parce que mwana nyon sa la ki sa ka présence ya papa naye donc ndenge nga na sa aujourd'hui comme candidat en 2023 na circonscription ya Tchango 1243 mon numéro c'est à dire na yebi ke tata o ya zo conduire nga lokola za mayele ezala makambu mususu oyo nga na kosala nazo kanisa kosala ye déjà salilinga déjà yango nazo linga kosala ye déjà si ya salilinga yango donc na sa fier ko sala candidat nouvelle là et to yebi ke soki lelo république et voter Adolphe Muzito comme président de la République, s'il vous plaît, dans 5 ans, 10 ans, nous tenions à sentir que Congo est comme Ipoto. Non, chance est allée au Yébi et l'Okonini. Tous les pays, même Europe, batala kamutuna programme. Il faut que voter mutu présence pour azaki toko azamunene non il faut que ta la programme mutu nyonsa tous les couches il faut se retrouver na kati ya programme oyo ye ayoki nde ko sala ke mutu oyo azafunker azagagna azana conquérir tout d'abord na programme ya azana